Salut les petits amis! Oh, un flingue, c'est gentil, merci d'y avoir pensé. Mais j'en ai déjà plein, hein. Je joue à GTA, donc j'ai même mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Vous allez voir ça aujourd'hui. Alors les enfants, éloignez-vous du poste, hein. Je rappelle que GTA est déconseillé aux moins de 18 ans. Moi, je dirais qu'on a le droit d'y jouer à 16 ans, mais avant, il faut quand même du second degré. J'ai joué 40 heures, je l'ai fini, il y a 72 missions, je l'ai toutes faites en 40 heures, et en plus, j'ai lambiné, je me suis promené, mais j'ai fait que 70% du jeu, il reste encore plein de trucs à faire. Regardez, c'est immense, voilà la carte, tout ça, c'est juste la ville, mais il y a aussi la montagne, la mer, le lac, il y a des tas de trucs. Je me suis offert l'édition collector avec une pochette en métal, une carte supplémentaire, qui est pas terrible en fait, franchement elle sert à rien, la vraie carte est beaucoup mieux, la vraie est recto verso en plus, on a le droit à une vue de la ville un peu rapprochée. Bon, alors il y a des missions supplémentaires quand même dans la version collector, que j'ai acheté avec mes propres sous, je tiens à le préciser, mais voilà, je savais que j'allais adorer ce jeu, et croyez-moi, je regrettais pas mes sous, juste la version collector est pas indispensable, vous avez un dirigeable en plus. C'est rigolo de se balader au-dessus de Los Santos, mais c'est à peu près tout. Allez, tout de suite, je lance le jeu, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai joué 40 heures et j'ai que 20 minutes, peut-être 30 si Alex est sympa, pour vous faire voir le jeu. Donc tout de suite, une petite cinématique de début, j'ai choisi une mission assez sympa pour qu'on fasse connaissance avec les personnages. C'est parti. I'm gonna call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty, what is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy, yo. Le jeune homme de dos dans un très beau smoking, c'est Franklin, un des trois héros du jeu. Je vous rappelle qu'on peut jouer avec trois personnages. Alors c'est un pauvre brigand, un pauvre voleur de voiture, on va dire, au début, vraiment un mec du quartier. Là, il est super bien habillé, parce que comme j'ai terminé le jeu, j'ai pu, avec plein de pognon, lui acheter plein de fringues, dont un smoking, parce que je trouve qu'il a vraiment la classe en smoking. Mais on peut aussi acheter des vêtements pourris, c'est plutôt les vêtements qu'il porte pendant le truc. Et voilà sa tante et son pote d'enfance, un certain Lamar. Et je voulais vous faire voir une petite cinématique pour vous faire voir les dialogues qui sont toujours super drôles, super marrants. Et surtout vous faire découvrir Trevor, mon personnage préféré. Je vais laisser parler. Franklin, you never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Ah ça, vous allez en entendre des gros mots, des niggers, des fuck pendant tout le truc. Why don't you go get yourself something nice, okay? You. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? Voilà, ça vous pose un peu le personnage, c'est juste un mec complètement barré, crado, complètement fou, voilà, c'est vraiment le personnage qu'on retiendra de cet épisode. Il y a aussi Michael, que je vous ferai pas voir là, qu'on verra dans l'autre mission. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire voir deux missions aujourd'hui. Regardez, on monte dans le van avec notre chien, avec toute l'équipe, et nous allons aller vendre de la drogue, enfin acheter de la drogue en tout cas. Oui, vraiment, c'est déconseillé aux moins de 18 ans, les programmeurs sont super clairs là-dessus, les gens de Rockstar disent... Notre jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Si vous offrez ce jeu à vos enfants, vous êtes de mauvais parents. Et ils ont entièrement raison. Alors, faut que je parte. Oh, on peut partir par là, après tout. Faire un petit tour. Donc vraiment, oui, il y a de la drogue, il y a de la violence, il y a plein de trucs. Mais c'est bien plus subtil que tout ce que les chaînes normales vous disent. C'est vraiment un jeu bourré de subtilité avec une vraie critique de la société américaine dans tous les sens. C'est vraiment bien foutu, bien amené. Ça mélange tout, les Sopranos, Breaking Bad, Scarface, Le Parrain, etc. C'est l'équivalent en jeu vidéo de tous ces films, de tous ces chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire. Voilà, tout ça réuni dans un jeu vidéo qui vous donne une liberté d'action absolument totale. Regardez, on est dans les rues de Los Angeles. Si vous avez déjà joué à GTA San Andreas, le quartier devrait vous dire quelque chose. Regardez cette espèce de petit cul-de-sac là. C'est là, on va y arriver. Je me suis perdu en route. C'est là où habitait Carl Johnson dans San Andreas, sauf que évidemment j'ai raté. J'ai tourné un peu trop tôt. Ça va pas être facile de vous parler et en même temps de jouer, mais bon, vous connaissez, vous êtes habitué à mes gros doigts. Regardez, voilà. Vous voyez le petit cul-de-sac? C'est là où il habitait Carl Johnson, au début, parce qu'après évidemment, avec l'argent de la drogue, on peut s'acheter des plus belles villes. C'est le cas aussi évidemment dans ce GTA. Hein. Vous commencez dans des taudis et vous finissez dans de plus belles maisons. Sauf Michael qui, lui, dès le début, a une maison quand même plutôt classe. Il a une famille et tout, il essaye de... c'est un peu un... il est rangé des voitures, on va dire. Il va chez le psy, il y a des séances géniales chez le psy, où même, il emmène toute sa famille, avec les deux enfants ados qui passent leur temps à envoyer des textos pendant toute la séance de thérapie, c'est assez drôle. Donc ça, ça fait vraiment penser au Soprano, par exemple, le rendez-vous avec le psy. Voilà, donc là, on n'est pas chez le psy, on est chez le dealer.
chez monsieur le marchand de drogue. Je rappelle que c'est très mal. Vous pouvez me traiter de moralisateur si ça vous fait plaisir, je m'en fous. La drogue, c'est de la merde, les amis, mais vraiment de la merde comme jamais. Regardez Breaking Bad, vous le comprendrez assez vite. Et regardez GTA, vous le comprendrez assez vite. Même si on peut se droguer dans ce jeu, là, il va goûter un petit peu de cocaïne. Mais voilà, ça montre un peu les méfaits du truc. Et surtout les escroqueries. Puisque la marque est un peu un débutant, a l'air de trouver ça bien. Mais vous allez voir que Trevor, lui, va tout de suite flairer l'arnaque. Non, man, we leave. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back! Whoa! What the fuck? Et voilà, ils se font faire rouler, on leur file du plâtre. For a fucking ounce! Man, that's motherfucking drywall! Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here! Voilà, donc évidemment, ça tourne mal, ce qui prouve que la drogue c'est mal et que être un gangster c'est très très mal. C'est assez moralisateur ce jeu finalement. Et on va passer en mode gunfight. Donc des gunfights à la GTA, toujours pas très réussi finalement, puisque en fait il suffit de se mettre à couvert et de sortir. Vous voyez que mon flingue est aimanté par les personnages qui vont se pointer devant. On peut aussi désactiver évidemment la visée automatique, mais honnêtement. Mais pas dans un FPS où on peut viser précisément et finement les choses. C'est un peu une tannée. Le viseur est pas très grand. D'ailleurs, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué ma petite astuce. Sur l'écran de mon vidéoprojecteur, vous voyez, il y a un petit point noir là, au milieu. En fait, c'est un bout de scotch que j'ai colorié avec un marqueur et qui me permet de marquer l'emplacement, justement, du viseur. Comme ça, parce que leur viseur est tout petit, il est blanc, on le voit à peine dans le jeu, on sait pas trop où on va viser. Là au moins, avec mon petit stratagème, je sais où je vais viser. Bon, on va se les faire un peu à la grenade. Ils ont amené leur belle voiture, on va voir qu'ils auraient pas dû. Voilà. Et j'entends Trevor qui appelle un petit peu au secours pendant ce temps-là. Donc regardez, je change de personnage. Hop, on va prendre Trevor. Un peu coincé, qui réclamait un peu du secours. Voilà. Hop. Le problème, c'est que ce gars qui est derrière cette grille... pas à choper. Je vais prendre moi aussi une mitraille parce que là il y va au fusil à pompe. Ou alors ce que je peux faire c'est que je peux passer à Franklin qui va venir à la rescousse. Peut-être pas idiot ça, faisons ça. Franklin en renfort. Je vais mettre à couvert lui aussi. Ouais, du monde, il y a du monde partout. Fasse gaffe à Lamar qui... Il est un peu habillé comme les gangsters, du coup, pas facile de le repérer au milieu de la bagarre. Ah voilà, on est débarrassé de ce gars. Il nous pourrissait la vie depuis tout à l'heure. Hop, allez, on avance au fur et à mesure. On va essayer de se sortir de ce quartier où on sent bien qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. Donc quand je passe d'un joueur à l'autre, vous avez remarqué que là, l'intelligence artificielle s'occupait de Trevor. Parce que moi, j'ai pris Franklin, voilà, donc il se... L'intelligence se débrouille pas mal, souvent même mieux que moi, donc autant les laisser faire. Oula. Il a bien avancé le Trevor, donc je vais reprendre. Je vais prendre Trevor. Hop. Alors j'ai pas que ça, hein. J'ai aussi du vrai. Vous avez vu un peu la roue des armes, il y a quand même largement de quoi faire. Ah mince, je crois que la police a l'air de vouloir s'en mêler. Donc je vais prendre Trevor. Trevor a par exemple un lance-grenade que j'ai pu customiser. On peut customiser absolument toutes les armes. Donc voilà, je vais protéger la fuite de mes camarades à coup de grand lance-grenade. Vous avez vu que je l'ai peint en rose le lance-grenade, c'est quand même vachement plus classe. Et hop, on va se dépêcher de rejoindre mes camarades et on va s'enfuir. Alors regardez les fameux canaux de Los Angeles, les poursuites de Terminator 2, ça se passe là-dedans. Et là il y a des gars qui sont en train de tourner un clip de rap avec un bon gros rappeur bien dégueu chargé de chaîne en or et des pétasses sur des jet skis. Voilà, ça fait toujours classe dans un clip de rap, vous savez qu'ils aiment bien frimer ces gens là voilà, donc on va leur piquer leur jet ski si ça les dérange pas. Voilà, on attend que Franklin s'arrête, qu'il nous rejoigne, et hop, on va s'enfuir carrément en jet ski. C'est parti. Voilà. En plus, la pauvre fille a pas eu le temps de descendre, elle est avec Trevor. Ah oui, ça fait, tu m'étonnes, c'est les égouts. Alors, ça, donc tout est en anglais, évidemment. Il faut un bon niveau d'anglais pour comprendre. C'est sous-titré en français, hein, mais tous les dialogues sont en anglais. Et les radios, par exemple, ne sont pas sous-titrées. Dans chaque voiture, il y a une dizaine de radios qu'on peut écouter. Oh, la pauvre petite, elle flippe à l'arrière de mon truc. Je sais pas combien de temps elle va rester.
Laissez-moi partir. Nukem, t'es même pas mon genre. Ah bah du coup, SDS à la mer. Alors moi, faut que je suive Lamar. Où est-ce qu'il est, Lamar? Il est là, hop. On va le lâcher, on va s'enfuir tous les trois. Tranquillement, vous avez vu qu'il y avait les hélicos de la police au-dessus de nous. Donc je vous disais, bon niveau d'anglais exigé, parce que les radios, tout, vous pouvez écouter plein de radios en voiture. Et souvent, c'est tellement génial qu'il y a des émissions de radio qui sont super. Des animateurs de radio qui s'engueulent, il y en a notamment deux qui se tirent la bourre, qui ont un ego surdimensionné tous les deux. Donc vous êtes en voiture en train d'écouter la radio, vous entendez les animateurs qui se disputent, ça se barre en couille et tout. Et parfois, on en oublie carrément la mission, on s'arrête au bord de la route pour écouter la radio. Ça arrive plein de fois dans ce jeu, parce que vraiment tout est hyper cohérent. Alors Franklin, tout est hyper cohérent, vraiment il y a plein de trucs à faire et tout est toujours cohérent. Vous allez entendre une pub pour un film à la radio et vous pourrez aller voir le film au cinéma. Même parfois rencontrer les acteurs, il y a toute une partie qui se passe au cinéma. Où est-ce qu'il va, Lamar? Il va là, mais il y a des véhicules là, Lamar, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est quoi là-bas? Moi je sens pas ça. Excuse-moi Lamar, mais j'y vais pas. Je vais m'enfuir un peu plus loin, il n'y a pas de véhicule sur cette plage. Ça sent la merde. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc vous voyez, je suis en jet ski, on peut prendre des bateaux, il y a des voiliers, il y a des yachts, il y a vraiment de tout. C'est hallucinant, tout ce qu'il y a dans ce jeu, tout ce qu'on peut faire. Bah voilà, là il y a. Là Lamar, il y avait des. Hop, des petits gars. Bonjour. Alors comme ça, on fait du quad, des motocross. Allez, tiens. Juste pour vous montrer que voilà, tout est possible dans le jeu, même les trucs les plus aberrants. Avec un quad, on peut faire beaucoup de choses. Peut-être pas monter une pente aussi abrupte que celle que j'ai tenté de monter, mais peut-être celle-là, ça peut passer. On va voir ça tout de suite. Oui. Oh, j'ai fait un... j'ai presque fait une. Comment on appelle ça? Je sais plus les noms, les trucs de skater. Un ollie, un 360, un truc quoi qui pète. Du coup, comme j'ai ça, je peux m'enfuir un petit peu. Dans la campagne, là où les flics viendront pas trop me chercher et me cacher. Vous voyez que j'ai 3 étoiles, ça c'est... Alors c'est pas le guide Michelin, c'est pas mes compétences en cuisine, évidemment. C'est mon indice de recherche. Et tant que je suis recherché comme ça à 3 étoiles, j'ai vraiment intérêt à rester planqué. Ils ont changé un peu la façon de fuir les flics. Vous voyez le radar en bas à gauche? On voit où sont les flics et l'endroit où ils regardent, la zone de détection dans laquelle ils peuvent vous choper. Donc tant que vous restez en dehors de cette zone de détection, tout va bien. Là j'en vois un qui s'approche un petit peu. Je vais m'enfuir mais pas me mettre non plus dans des endroits impossibles. Ah ça y est, là ils m'ont perdu apparemment. J'attends encore un tout petit peu. Voilà, là ça devrait se calmer. Pas le moment de se vautrer bêtement dans la montagne. Voilà, réussi, très bien. Donc voilà, ça c'était une mission assez sympa, poudre aux yeux, où on a vu un petit peu au moins deux des personnages, Trevor et Franklin. Mais je voudrais vous faire voir aussi Michael. Donc je vais aller télécharger une mission. On va couper un petit peu exceptionnellement dans ce chez Marcus, le temps que j'aille dans les menus chercher la nouvelle mission. Et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Tell your mom too, will you? Il voulait que vous voyez ça quand même, Trevor, vous voyez à quoi il carbure. Il boit de l'essence, carrément, et il se moque de Michael, qui lui est plutôt bien arrivé dans la vie, a bien réussi. Now see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh man, it's cheap, but it's good. Gasolina? Non. Voilà, bon, je veux pas trop spoiler déjà, j'ai fait un truc que vous auriez pas dû voir. Mais bon, en tout cas, ça me faisait tellement rire de le voir boire de l'essence que je voulais que vous voyez ça. Là, on est dans l'univers de Trevor, il vit dans une caravane toute pourrie, vous voyez la caravane qu'il y a là, dans un endroit vraiment super glauque. Regardez juste la pub, il y a des pubs géniales. La By Peace Water, c'est le nom de Peace, c'est le nom de la marque de bière du jeu, Peace Water, et j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais it will make her pretty again. Ça veut dire buvez, en gros, buvez de la bière et votre femme vous paraîtra belle à nouveau. Voilà, il y a vraiment des trucs géniaux. On retrouve Franklin, là c'est pas moi qui choisis quel personnage je dois incarner, la mission me l'impose. Et il est en train de poursuivre les frères O'Neill, sacrée bande de tarés qui sont un peu en contentieux avec l'ami Trevor. Il a quand même démoli la moitié de la famille à coup de lance-roquette, donc ils sont un petit peu énervés, ils ont décidé de se venger. Et Franklin justement les suit pour voir un peu ce qu'ils sont en train de goupiller. Chaque personnage a vraiment des caractéristiques particulières. La caractéristique de Franklin, c'est qu'il sait très bien conduire. Donc ça permet de faire des cascades assez incroyables.
Il suffit d'appuyer en fait sur les deux boutons là comme ça pour passer en mode je suis un super chauffeur. Vous voyez, tout ralenti, le paysage s'éclaire et ça permet vraiment, par exemple, voilà, de faire une connerie, hop, de tourner au dernier moment, de faire quasiment des cascades incroyables quand on s'arrête après un casse par exemple, c'est quand même bien utile d'avoir un bon conducteur. Les deux autres personnages, Michael et Trevor, n'ont pas ça, mais eux ils ont une sorte de bullet time, c'est un peu le même genre de choses mais avec des flingues, où le temps ralentit et ça leur permet de tuer leurs adversaires de manière beaucoup plus précise et de viser beaucoup mieux. Voilà, donc chaque personnage a ses caractéristiques. Trevor par exemple est champion du pilotage d'hélicoptère ou d'avion, et Michael lui c'est juste le gars presque normal avec une vie de famille, petite visite chez le psy régulière, etc. C'est vraiment super riche ce jeu, ça n'arrête pas, vous pouvez faire des milliers de trucs, c'est étonnant. Et il n'y a pas que le côté gangster, là aujourd'hui je fais voir des missions, mais on fera une deuxième émission parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer, on fera une deuxième émission, c'est promis, en mode touriste. Oh là là, ils ont un petit souci les frères O'Neill. Ça doit être à force de taquiner le la bière, ça va pas vraiment bien conduire. Vite, allons voir. Alors là, je suis avec Franklin et avec le chien, puisque vous avez un chien que vous allez récupérer au fil de l'aventure. Il y a un truc assez génial, il y a une appli sur les téléphones portables. Vous avez remarqué que lui, il a un téléphone portable, mais vous, dans la vraie vie, vous en avez un ou une tablette. Vous pouvez télécharger une appli qui s'appelle iFruit. C'est un peu pompé évidemment sur l'iPhone avec sa petite pomme. Et ça permet d'avoir toutes vos stats de GTA qui sont vraiment hyper détaillées. Vous pouvez savoir combien de kilomètres vous avez fait avec tel véhicule, etc. Combien de gens vous avez tué, combien d'heures vous avez joué. Vraiment, c'est très très détaillé. Et il y a une sorte de Tamagotchi qui est le chien que vous pouvez en quelque sorte élever. Donc vous lui donnez à manger, vous le faites jouer, etc. Et ça a des incidences dans le jeu puisque le jeu et l'application sont reliés. Donc vraiment une chouette application assez rigolote. On repasse la balle à Trevor qui est donc dans son quartier de merde, vous voyez, avec vraiment trois cactus et tout. Là, ça ressemble beaucoup au décor de Red Dead Redemption, un autre chef-d'œuvre de Rockstar. D'ailleurs, le jeu reprend beaucoup la base de Red Dead Redemption. Il y a vraiment des trucs qui se retrouvent. Voilà, là, je dois aller chercher mon hélicoptère. Ah oui, j'ai un tank. Dans la prochaine émission, j'essaie de vous faire voir comment on pique un tank ou un avion de chasse ou un hélicoptère, ce genre de truc. Oh, juste pour le plaisir. Non, ça n'a rien à voir avec la mission, mais juste pour le plaisir de vous faire voir. Voilà, on peut choper des tanks dans GTA. Si vous finissez le jeu, normalement, avec les braquages que vous avez fait, vous avez suffisamment d'argent même pour en acheter un, hein, tout à fait légalement. Vous savez qu'aux États-Unis, les armes sont en vente libre, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça choque personne qu'on puisse acheter un tank. Je sais pas si le port de tank est accepté aux États-Unis. Des fois, ils sont tellement... Quand il y a une fusillade chez eux, ils pensent toujours que le gars a joué aux jeux vidéo. Alors, ils pensent pas à vérifier comment il a eu son arme, en fait. Et pourquoi c'est si facile d'avoir des armes aux États-Unis. Voilà. Donc, nous, dans les jeux vidéo, on fait ça. Et en vrai, on ne le fait pas, évidemment. Déjà, c'est plus dur d'avoir un vrai tank dans la vraie vie. Donc ouais, rendez-vous dans une prochaine émission, quand même GTA mérite qu'on le fasse en deux parties, où on fera juste les touristes, on fera pas de mission, pas d'action, mais il y a tellement de choses à voir, et en 20 minutes, 30 minutes, comment vous faire voir GTA, c'est quasiment impossible. Vous avez vu que le temps s'était couvert, que la nuit était tombée, évidemment, le temps passe, parfois c'est sous la pluie, et vous galérez pour conduire, parce qu'évidemment ça dérape et ça glisse. Par moments, il y a un beau soleil radieux, le matin un peu de brume et tout, enfin voilà, c'est vraiment... Ça ressemble beaucoup à Los Angeles, c'est hallucinant. Moi qui suis allé à Los Angeles, j'ai la pété un petit peu. Je reconnais plein d'endroits. Je vous les ferai visiter dans l'autre émission. Ne manquez pas, hein, ce sera, je sais pas quand ce sera, mais ce sera bientôt. Donc là, pour le moment, on va aller filer un petit coup de main à Franklin en hélicoptère. Donc ça me permet cette mission. Vous avez vu tout à l'heure des voitures, vous avez vu des motos, des quads, des jet skis, des bateaux. Il y a aussi des hélicos, des avions de chasse, etc. Il y a vraiment de tous les véhicules, c'est hallucinant. On peut tout voler, tout piquer. Même si c'est pas facile quand il s'agit d'un tank ou d'un avion de chasse. Mais je vous donnerai des petits conseils. Qu'est-ce que je tease sur la prochaine émission, dites donc. Ça n'arrête pas. Oh, pauvre petit Trevor. Alors Trevor, c'est juste un malade mental, quoi. C'est juste hallucinant, ce mec-là. Donc l'émission, il y a vraiment des tas de trucs. Il y a beaucoup de missions débiles. À un moment, vous allez travailler avec un paparazzi, par exemple. Et vous allez devoir filmer des stars. Enfin, des stars. Des stars de la télé-réalité, autant dire que c'est pas grand-chose.
dans leurs ébats, parce que c'est ce que c'est que la télé-réalité, hein, s'ils ne niquent pas, ils n'ont aucun intérêt pour personne. Ils font que niquer et s'engueuler dans ces émissions, c'est le seul intérêt de toute façon. Donc voilà, GTA s'en prend beaucoup à la télé-réalité, donc il y a des moments où vous allez un peu mettre le nez dedans, notamment la fille de Michael qui veut absolument faire de la télé-réalité, il faudra essayer de l'en empêcher. Couper la queue de cheval de l'animateur qui essaye de la faire rentrer là-dedans. C'est vraiment, comme je vous le disais, une critique de la société. Il y a plein de missions annexes. Là, je fais des missions officielles, celles qui permettent d'inventer dans le scénario, mais il peut se passer plein de trucs. Il y a des moments, par exemple, vous êtes en voiture, j'étais en voiture avec Trevor au bord d'une route, et il y a un petit couple complètement bourré qui m'a demandé de les ramener à l'hôtel. Alors, vous pouvez les ramener à l'hôtel, hein, ça peut être ça la mission, ils vous filent quelques dollars pour vous remercier. Ou alors, vous pouvez les amener dans la montagne, tout en haut de la montagne, il y a une secte, et les mecs de la secte vous les achètent. Donc vous vendez des êtres humains, carrément. C'est vraiment super bien vu, critique beaucoup la société américaine, critique aussi l'église de Scientologie. Il y a un site internet, où il y a tout un internet d'ailleurs, que je vous encourage à aller voir dans GTA. Il y a un site internet, c'est pas l'église de la Scientologie, mais on comprend bien que c'est eux. Et vous pouvez craquer 40 000 dollars pour un t-shirt de la Scientologie qui vous donne des conseils de vie. C'est assez drôle, très réaliste finalement, c'est très bien. La drogue c'est mal, les sectes c'est encore pire les amis, c'est ma journée moralisatrice. Alors on va essayer de retrouver les frères O'Neill grâce à un fusil... Ah bah tiens en voilà un, ça tombe bien. Grâce à un fusil qui détecte... C'est lui ça. Ah mince, pourquoi? Mais pourquoi? Je l'avais vu, j'arrivais pas à tirer. Alors, où est-il? Par là. C'est qu'un promeneur. Pourquoi je peux pas tirer? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà! Le temps qu'il recharge. Bah pourquoi il tombe pas? Il est en téflon le frère O'Neill. Ah bon, je sais pas. Alors la rivière, d'accord. Si vous êtes un touriste, on va voir. Donc heureusement que j'ai la vue. Ah voilà, c'est pas le moment d'aller nager, gars. Ah, je le rate. Allez, allez. Ah, il nage plus vite maintenant, il a vu que... Il me fait engueuler par Trevor en plus. Ah bah quand même! Ah désolé, évidemment, à l'entraînement ça marchait. Alors il en reste un, peut-être qu'il voulait que je les fasse dans l'ordre, c'était quand même un peu bizarre. Bah c'était pas un gars. Ah mais non, mais je suis con, mais c'est Franklin avec le chien! Oh là là! C'est un bullet time! Bon, il y a longtemps qu'on n'a pas montré de bullet time. On n'a pas le temps, c'est dommage, mais voilà. Ah bah voilà, un gars. Ou pas. Oh, je l'ai vu, mais qu'est-ce qui se passe? Il déconne ce fusil de chasse ou quoi? Ben, ça, c'est un daim. Bon, alors on peut aller à la chasse au daim, c'est une des activités. C'est drôle, c'est triste de devoir tirer aussi mal, Michael. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, pour vous dire, je suis pas aidé par toutes les lumières qu'il y a ici. Alex, tu peux me couper juste deux secondes là? Voilà, merci Alex. Je connais bien mes soucis, Alex. Voilà. Voilà. Merci, Alex. Tu peux rallumer. Ah, voilà. Il y a des problèmes d'un chez Marcus. Hein. C'est qu'on ne voit pas toujours comme on voudrait à cause des éclairages. Des ennuis que vous n'aurez pas à la maison, vous, évidemment. Alors, où il est, le dernier? Oh là, on est en train de me tirer dessus. Ah oui, mais carrément, il a un lance-roquette. Très bien. Donc là, vous avez vu que j'ai pris Michael, qui est un peu un spécialiste aussi du tir de sniper. Ils ont chacun leur spécialité, je vous le disais. Il y a beaucoup de casses à organiser, ça c'est assez génial. Enfin beaucoup, il y en a 3 ou 4. Il faut préparer un casse. Vous avez plusieurs façons de le faire. Par exemple en passant par les égouts, en désactivant les alarmes et tout ça. Ou alors en rentrant dans le tas avec des armes de guerre, tout est possible. Voilà. Donc il faut préparer le casse. Et ensuite, chacun a son rôle. Trevor va piloter l'hélicoptère, Michael va faire le sniper. Et Franklin, lui, va un peu rentrer dans le tas. Alors regardez, pour une fois, je peux incarner le chien, on peut voir à travers les yeux du chien. C'est rigolo quand même, ce brave petit chop. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez l'éduquer un peu avec l'appli. Et puis vous occupez de lui dans le jeu, hein. Vous pouvez revenir à sa niche, lui donner à manger, le promener, jouer avec lui, avec une baballe, etc. Faites attention, les balles sont rangées avec les grenades. C'est pas une connerie, c'est évidemment. J'ai fait un très beau bullet time, mais celui-là n'a pas été filmé.
jeter une grenade sur le chien. Ah, le chien l'a trouvé, il l'a détecté, il est planqué derrière ce rocher. Super. Donc j'ai plus qu'à reprendre Franklin, qui est au sol avec le chien, à préparer bah, par exemple une mitraillette, hein, pour s'embêter. Et on va en finir avec les frères O'Neill. Voilà, c'est le dernier, il essaye de s'enfuir, mais il n'ira pas bien loin. Voilà, c'est une bonne rafale de mitrailleuse. Tout de suite, ça calme. Il n'y a pas que des mitrailleuses d'ailleurs, hein. J'ai vraiment toutes sortes de flingues. J'ai même ouais, j'ai des grenades collantes, j'ai même un flingue, vous savez, un taser électrique qui m'a été offert par des braves citoyens qui essayent de reconduire les immigrants illégaux chez eux, à coup de taser. Il y a vraiment des missions, mais de fou, ça c'est pas forcément une mission principale, mais c'est une des missions assez rigolotes à faire. Voilà, il y a aussi des choix à faire, notamment vers la fin du jeu, je veux pas spoiler, mais voilà, il faudra faire des choix assez draconiens, donc il y a plusieurs fins possibles en fonction de votre humeur, j'ai envie de dire, et de votre fidélité à vos compagnons, donc c'est assez intéressant. Bon, je vais essayer de poser cet hélicoptère sans l'écraser, histoire de finir cette mission proprement. Je suis à peu près dans les temps, je vais aller survoler un petit peu Los Angeles pour terminer. Voilà, je descends tout doucement. Alors les voitures, les hélicoptères, tout ça, ça se conduit, c'est vraiment en mode arcade. Hein. C'est pas de la simulation, loin de là. Les voitures, les camions ont un comportement différent, bien sûr, mais tout se joue un peu comme Mario Kart. C'est pas Forza Motorsport ou Gran Turismo, mais on s'en fout, hein, on n'est pas là pour faire de la simulation. Pour faire du tuning d'ailleurs, évidemment, toutes les voitures que vous voulez, vous pouvez les repeindre, blinder les vitres, même les pneus, changer la couleur, etc. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire. C'est hallucinant. Plus des petites cascades, vous pouvez passer sous les ponts avec les hélicoptères, etc. Enfin, voilà. Je pourrais en parler des heures, je pourrais le montrer pendant des heures. Il y a des youtubeurs qui ont que ça à faire, qui font ça bien mieux que moi, bien plus longtemps. Moi, le rythme de l'émission, c'est 20 minutes, 20-30 minutes maximum. Donc, je m'en tiens à ça. Mais allez sur le net, vous allez voir des heures de jeu. Et puis surtout, bah, achetez-le, tout simplement. Je vous recommande pas forcément la version collector. Encore une fois, je suis un petit peu déçu, à part quelques missions en avion, de quelques flingues supplémentaires. Il n'y a pas grand-chose. Et alors, la carte qui est livrée avec, elle est vraiment pas terrible. Voilà. Sinon, le jeu lui-même est vraiment excellent. Vous allez y passer des heures et des heures et des heures. Là, j'ai joué une cinquantaine d'heures, je crois, maintenant. Je suis toujours qu'à 80% du jeu. Il y a des tas de choses à découvrir, comme je vous le disais, des missions annexes. On peut jouer au golf, on peut jouer au tennis, on peut... Enfin, vraiment, voilà. Quand on voit que la presse n'en parle que parce que ça gagne beaucoup de fric et que parce que c'est un peu violent, c'est vraiment dommage, parce que c'est juste un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ce jeu. Et il mérite qu'on en parle en bien. Même s'il y a des trucs très, très violents et très durs, hein. Il y a une scène, par exemple, où des mecs du FBI essayent de torturer un mec. Il y a une scène de torture, d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle. Parlons de la scène de torture, vous serez obligé de torturer des gens à un moment, un gars, sans savoir même s'il est innocent ou pas. Donc vous êtes obligé de le faire, ce qui est un peu, ça vous met mal à l'aise, je trouve. C'est Trevor qui le fait, complètement barré. Mais à la fin, Trevor libère le gars et un petit discours en disant « Ah oui, mais on a torturé, mais c'est pour le compte du FBI, ce qui est vrai, c'est le gouvernement. Et si on en croit nos gouvernements, bah, quand il s'agit de lutte contre le terrorisme, on a bien le droit de torturer des gens. Donc, mine de rien, c'est dehors, choquant et volontairement choquant et provoquant. Il y a un vrai discours dans GTA qui est très très intéressant à entendre. Et il faut vraiment 18 ans pour apprécier le second degré. Et je pense qu'un gamin de 10 ans ne l'a pas. Après, un gamin de 10 ans va bien rigoler, mais alors vraiment soyez à côté de lui parce qu'il y a des clubs de striptease. Je vous montrerai peut-être si vous êtes sage la prochaine fois. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un prochain épisode pour la suite de GTA. Moi, je continue avec Michael, Trevor, Franklin et Chop. A bientôt les petits amis. Soyez sages. Ciao.